Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Simulateur de construction 2014. Il est payant, il coûte 1,99€. Donc, je vous conseille pour ceux qui aiment bien les jeux de travaux. Donc, c'est parti. Donc, là, je vais faire un chantier à 30 000€. Je dois faire le plus chiant. Je dois porter l'excavateur sur le chantier. Je peux bouger ça là. Attendez, le chantier est à l'autre bout. Ah ouais, Michel. Bon bah, alors on a 7 km à l'heure. 7 km à l'heure. Bon, au pire les gars, vous savez quoi, je ne vais pas perdre de temps. Je vais le faire livrer à mon chantier. Hop, voilà. Là. Comme vous pouvez le voir, je vais creuser une butte de terre. Donc vous voyez la terre là, vous voyez il y a du vert, c'est, et là je vois, vous voyez elle se vide, et ben ça veut dire que c'est comme ma pelle elle est remplie. Vous voyez, ma pelle est presque remplie. Et en haut, en bas de l'argent, c'est le chantier. Enfin, la tâche. Le sous-tâche, si vous voulez. Pratiquement la moitié. Voilà. On fait que la moitié, donc là on va aller de l'autre côté. Hop, et pour reculer, vous allez écouter, là je vous voyez ce bouton pour choisir les à côté du bouton pour choisir les véhicules. Donc là vous appuyez dessus, vous faites de la flèche en bas, vous avancez. Hop. Bonne terre comme ça va vite. Donc terrain vague. Et je vais vous montrer aussi avec un gros camion bien sûr. Il y a un radar. Et je vais vous montrer où vous êtes. Ça vous évitera de chaque passage de vous faire flasher.
Je vais me faire flasher pour vous montrer ce que ça fait. Il y en a qui vont se dire Donc vous ne faites surtout pas la grosse connerie de faire la croix. Moi un jour, je faisais une grande grande piscine et j'avais même pris mon énorme excavateur. Le gros chantier, je devais durer 3 ans au moins à creuser. Donc ne faites surtout pas creuser, sinon ça va vous enlever des trucs pour excaver. Donc vous faites bien le tic, la tic. Hop, vous faites ça. Bref, après on s'en fout. Hop. Et là, on doit sortir du chantier. Donc voilà, donc un soutage de terminé. Soutage 2. Donc là, on doit aller avec la multibène. Et vous voyez, ça c'est stylé. Les portails ils se ferment après votre truc. Oh, pourquoi c'est un peu là? C'est bizarre ça. Ils ferment plus maintenant les portails. Oh, c'est bizarre. Ça y est, peut-être en panne. Je crois que le flash là. La prochaine à droite là. Donc, je vais essayer de prendre de la vitesse. Ok, donc je crois que là il est. Ah, je sais maintenant où il est. Je me rappelle que ça fait longtemps que j'ai pas téléchargé ce jeu. J'avais déjà téléchargé. Donc, c'est où? Regardez là, il est à droite. Flash. Et flash! Bam! 50€. Donc il est à cet endroit précis. Juste là, là. Ok. Vas-y, vous pouvez passer. Non, pardon. C'est exprès. Donc, il est là. C'est ce radar qui nous flash tout le temps. Donc il est à cet endroit de la map. Je vous laisse 3 secondes pour le regarder. 3, 2, 1. Trop tard. Ça. Ça c'est galère. Devoir bouger sa mère lui. On va devoir se placer au niveau de ce truc là. On va devoir ramasser. Ah, ils emmerdent. Là. Voilà, là c'est bon. Bon, pas nickel, mais je pense que ça va le faire. Je vais vous montrer. Il est trop loin. Il faut voir à droite.
comme les ouf. Merci. Apporte le conteneur à la gravière. La gravière. Là, on va passer sur une route. Ce qui est déjà plus rapide avec ce camion. Donc là, on va un peu visiter. Et bon, moi, si vous voulez gravir, je vous dirais de passer par là. Ce sera beaucoup plus rapide. Très, vous vous en foutez du fermier. Hop, passez par là. Ne vous inquiétez pas, si vous foncez dans les voitures, ça va rien vous faire. Regardez-moi ces barrières. Elles s'ouvrent automatiquement. Plac. Et elles se referment derrière vous. C'est magique. Hop, donc je dois redéposer le truc. Déposer juste là. On a un dernier sondage après. Hop. On va ramener le véhicule. Désolé si je parle pas, j'ai rien de passionnant à dire, à part conduire. Bon allez, pour vous montrer, je vais passer par la route principale pour une fois que je le fais. Wow, 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 wow. Oula, ma voiture elle est un peu partie en couille. Vous voyez, ça vous prend beaucoup plus de temps. Et encore, je coupe là. Parce que ça prend des heures et des heures. Proche du radar, donc ça va. Oh, ouais, il est chaud ça. Va. Il est senti. Ah, je sais pourquoi ça va se faire. Juste parce que ça, là, ce truc, c'est pas... Enfin, ça reste bloqué avec ça, là. Il détecte la remorque. Vous pouvez vous acheter des véhicules aussi. Des véhicules là-dessus. Avec... bien sûr, pas avec de l'argent... Enfin, de l'argent vrai, de l'argent dans le jeu. Bon, je prends le temps de bien ranger mes véhicules. Comme ça. Ça fait moche comme ça. Oui, je sais, je suis maniaque. Parce que j'aime bien quand il y a du rangement. Bien comme si son vue de l'avant permet de voir leur marque.
Hop. Ah. Capitaine Kirk sort un nouveau live. Donc, je vais vous montrer le système du portail. Je pense que vous l'avez déjà vu quand je suis passé à la pelleteuse. Donc voilà, il s'ouvre automatiquement. Il se referme. Oui, il se referme derrière vous. Bon, on va aller chez le livreur de palettes. Je sais, moi je passe dans les parcs. Les squads. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Les squares. Ouais. Je vais entrer les pas à droite. C'est la deuxième. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font ça. Hop. Donc là, faites pas la connerie. Si je veux le télécharger, appuyez bien sur le truc jaune. Juste là. Avec votre chariot élévateur, ça va pas passer. Vous voyez, hop. Bon. Ah, hop. Okay. Après, regardez, vous avez un camion comme ça. Qui est plus grand, celui-là. Alors, le camion avec une grue comme ça, vous aurez plus besoin de chariot élévateur. Ça, c'est le dernier véhicule. Donc, je vous mettrai dans la description les véhicules. Enfin, ce que je vous conseille, l'ordre des véhicules pour acheter. Bon. Par contre, regardez le chariot élévateur. Comment il est maniable. Vous voyez comment on peut tourner? J'aime bien prendre pour plus de précision. Roulez bien droit pour pas que vous preniez les palettes avec, parce que ça arrive à tout le monde, même moi. De l'autre côté. Désolé si j'avais pas fait de vidéo pendant 4 jours. Parce que déjà les 3 jours j'avais un stage de judo. Et le quatrième c'est parce que je pouvais pas, parce que j'avais
Et après, vous reprenez le camion. Et si vous n'avez pas un mot affiché, c'est que c'est bon, vous pouvez partir. Mais si vous avez un mot, il faut faire très très gaffe. Il faut que vous rouliez pas plus de 30. Parce que les palettes risquent de tomber de votre camion. Ça, c'est chiant parce que vous devez amener le chariot, l'élévateur jusqu'à l'endroit où ça s'est... Et fermez bien ça, là. Bon, ça va tomber. Là, j'ai beau drifter. Là, vous avez juste à rentrer dans la zone et vous barrez. Comme ça. Et voilà, j'ai eu 30 000 euros. Donc, puisque ce chantier était long. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou à commenter cette vidéo. Ciao, les potes.